Bonjour et bienvenue à ce 20e épisode de Lightroom avec du Photoshop dedans, déjà 20e. On va essayer de faire une fausse affiche un peu style Greenpeace. On va mettre ici une terre dans la main de la statue, on va mettre un slogan. Ça vous montrera différentes techniques qu'on peut utiliser avec Photoshop si un jour vous avez des affiches à faire. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, on va recadrer déjà cette image, parce que je veux pas le petit triangle ici qu'il y a là. Je veux garder la barre, comme ça on voit bien que c'est quelqu'un qui tient ça dans la main. On va baisser un peu les hautes lumières ici, pour amener un peu de structure là au niveau de la terre. Et puis ensuite, on voit qu'on a... ici, alors on va prendre correction, suppression des défauts. Et là, vous allez y aller par petites touches pour virer tous les fils. Alors, une astuce au fait, alors là, j'appuie sur la barre d'espace pour bouger. On peut, dans la correction des défauts, vous savez, y choisir une source. Et en fait, si vous appuyez sur alors la barre oblique, je ne sais plus si c'est le slash ou l'anti-slash, on va dire que c'est celle qui part d'en haut à droite et qui va d'en bas à gauche. Et si vous appuyez sur slash, il change de source. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes à savoir. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, comme quoi il y a toujours moyen d'en apprendre sur Lightroom. Il y a toujours des choses à faire. Hop. On termine ici, parce que l'objectif, c'est de pas passer une heure quand même sur le sujet. On a encore un petit là qu'on peut éventuellement virer. Voilà. Et là, ça me va très bien. Terminé. OK, on revient. On est bien. Super, les fils ont disparu. Alors, on va aller dans Photoshop. Donc, modifier dans Photoshop. Je suis dans Photoshop. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de mettre une terre ici. Ben, il faut déjà trouver une terre. Donc là, on va aller dans Google Images. Donc voilà, j'ai cherché Earth. Je fais souvent mes recherches plutôt en anglais qu'en français. Il y a différentes terres. Alors, comme ça va être quelque chose qui sera assez réduit, je pense qu'il faut prendre quelque chose de pas trop compliqué. Donc celle-là me va pas mal. Je vais la prendre. Hop là, clic droit, copier l'image, et je retourne sur Photoshop. Là, sur Photoshop, je vais simplement coller l'image ici. Hein. Alors, on va prendre ici l'outil baguette magique. Comme il n'y a pas pixel continu, et si je clique dans noir, il va prendre tout ce qui est noir, voilà, donc j'appuie ensuite sur effacer. Donc ici, j'ai ma terre qui est toute seule, et ma terre ici, CTRL-D pour désélectionner. L'objectif, c'est d'aller la mettre à la place de la terre là, qui est dans la main. Alors, on va ici prendre une incrustation, comme ça on verra bien ce qu'on fait. Édition, transformation, omote ici. Voilà, et je la mets. Alors, on va zoomer un peu pour voir un peu ce qu'on fait. Voilà, on va la ramener un peu par là. On va la ramener un peu par là parce que vous voyez que j'ai de là un petit bout de terre par là. Ici aussi, ramener un peu là. Voilà, là je commence à être pas mal. Pour fignoler, on va tout simplement ici rezoomer. Et là, on va pouvoir, avec des outils comme la déformation, donc édition, transformation, déformation, là, vous pouvez cliquer sur tous les points, vous voyez, et vous pouvez les bouger, et ça vous bouge le truc en même temps. Donc, à vous ensuite de trouver le bon point à bouger, parce que des fois, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, je suis pas mal, quelque chose comme ça. Ici, on va ramener un peu, là je suis bien. Et ici en bas, on va le ramener un peu par là. Voilà, ça correspond à peu près. Bien, ensuite, on appuie sur retour chariot. Alors j'ai juste à bouger un peu comme ça, voilà. Là, il est pas mal. Maintenant, ce que je veux, c'est que je vais sélectionner les doigts. Et je vais faire un masque de fusion pour que les doigts passent au-dessus de la terre. Donc pour sélectionner les doigts, je vais prendre par exemple l'outil de sélection rapide. Celui-là, vous le connaissez par cœur, ça fait 10 fois que je vous le montre. Donc c'est un truc qui... Ah, attendez, je suis pas sur le bon calque tout à fait. Donc je vais me mettre sur le calque d'en dessous. CTRL-D. Et
Donc c'est un système qui apprend au fur et à mesure. D'accord? Donc là, par exemple, il a pris toute cette zone-là. Et maintenant, en appuyant sur Alt, je vais lui dire, je ne veux pas ce qui est à l'intérieur, là, par exemple. Et je ne veux pas non plus cette partie-là. Et je ne veux pas la partie qui est de ce côté-là. Et ensuite, je resélectionne les parties qu'il a virées en trop. Donc je vous rappelle, c'est un système qui apprend au fur et à mesure. Voilà. Donc il faut être là, par exemple, vous voyez, il a trop pris ici. Là, je commence à être pas mal. Là aussi, là, le doigt, il va un peu plus loin. Comme ceci. Là, je suis bien. Là, sur celui-là, je suis bien. Sur celui-là, je suis bien. Et celui-là, il faut juste que je prenne un peu ici et que je prenne un peu là. Voilà. Là, je suis pas mal. Ça me va bien. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un masque de fusion qui correspond à cette main-là. De telle manière que la terre qui est au-dessus, ici, n'apparaîtra pas là où il y a le masque de fusion. Donc je vais simplement mettre là, puis je vais faire un masque de fusion. Alors, il va faire exactement l'inverse de ce que je veux. Donc c'est simple, il faut aller sur le masque de fusion, et il faut faire image, réglage, négatif. Donc vous inversez le masque de fusion. Et là maintenant, vous vous trouvez avec une terre comme ça, qui est directement dans la boule. Pour les endroits où c'est pas très net, comme ici, hop, vous voyez là par exemple, ben, c'est simple, vous mettez sur le masque de fusion, vous prenez un pinceau. Vous mettez avec du noir et vous passez simplement comme n'importe quel masque de fusion ici pour faire exactement ce que vous voulez. D'accord? Pour que ça corresponde exactement à ce que vous voulez faire. Donc ça, ces petits détails qu'on peut faire sur la fin. Là, par exemple, on voit ici aussi le doigt, il continue par là. Voilà. Et là, quelque chose comme ça. Voilà, là, je suis pas mal. Donc là, j'ai bien ma terre qui est dans la main. Éventuellement, si vous trouvez que c'est trop clair parce qu'elle était un peu trop illuminée, bien, il suffit d'aller assombrir un peu en dessous. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, c'est l'outil densité. Celui-là, c'est le densité plus. Donc on va juste en prendre un peu là sur les tons clairs. Et voyez, on arrive comme ça à assombrir un peu la partie en dessous. Et en assombrissant, excusez-moi. La partie en dessous, le globe devient un peu plus visible. Voilà, très bien. Une fois qu'on a mis ce globe là, on va faire un slogan. Alors bah, c'est simple, vous prenez du texte. Alors on va faire quoi? Mon avenir est entre vos mains, entre votre main, oui, ou vos mains. Bon, allez. Très bien, avec un S. Et on va mettre là. Mon avenir est entre vos mains. Donc là, ensuite, vous réglez la taille en fonction de ce que vous voulez. Là, par exemple, je suis un peu trop. Je vais prendre du 300 pour voir. Voilà, on va encore reprendre la partie qui nous manquait là. 300, ça sera très bien. OK, mon avenir est entre vos mains. OK. C'est peut-être un peu gros encore. Alors, on va faire comme ça. Et on va là. Alors, pour genre d'affiche, on fait aussi des fois des choses complètement en majuscules. Alors, là, je suis en Roboto médium. Alors, il y en a toute une série. Roboto, actuellement, c'est à la mode. Donc, on peut en prendre des plus condensés si on veut. Il y a toute une série là-dessus. Mais je vais prendre quand même une condensée. Ça fait plus moderne. Alors, attendez, je reprends tout. Une Roboto condensée régulière, très bien. Et on va tout mettre en majuscule pour les affiches. Souvent, vous voyez le texte en majuscule. Donc, mon avenir est entre vos mains, comme ceci. Très bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout prendre ici. Non, c'est pas besoin de tout prendre d'ailleurs, mais lorsqu'on va dans les masques de fusion, ici. Option de fusion, on peut par exemple mettre un contour. Alors là, c'est un contour vert, mais on va prendre un contour qui est plutôt dans les gris très foncés. Quelque chose comme ça, pas trop large. Alors attendez, il faut d'abord faire OK. Comme ça, le texte ressort bien. Là, mon avenir est entre vos mains. Ensuite, on va mettre Sauvez-moi. Sauvez-moi.
Point d'exclamation. Ça, on va se mettre en plus gros. Donc, on va faire un Roboto Condense Bold. On va sûrement utiliser une police de caractère qui est plus grande également. Donc, on va utiliser par exemple du 400. Est-ce que le 400, c'est pas mal? Sauvez-moi. Très bien. Ensuite, on va aller dans les options de fusion. Donc, options de fusion. Là, on va mettre un contour aussi. D'accord? Le contour d'avant là, je peux peut-être le mettre un peu plus grand comme ça. Et on va voir également pour faire une ombre portée. Voilà. Et une ombre derrière là. Alors là, c'est pareil. L'ombre, vous pouvez choisir un peu l'opacité. Oui, elle peut être plus ou moins opaque. D'accord? On peut mettre un angle, différentes choses. Ça, vous pourrez faire mumuse avec. Je trouve que ça passe mieux comme ça. Voilà. Mon avenir est entre vos mains. Sauvez-moi. Ok. Et puis ensuite, on va aller mettre un logo Greenpeace. Donc, on retourne sur Google Images. Donc là, sur Google Images, si vous tapez Greenpeace, hein, vous en trouvez toute une série. Choisissez celui que vous voulez. Celui-là, il me va bien. Je vais le copier. Copier image. Je retourne sur Photoshop. Sur Photoshop, je le colle. Alors, je vais ici sélectionner à nouveau avec la baguette magique tout ce qui est noir. Donc, comme ici, j'ai pas pixel contigu, ça va prendre également ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'efface. J'arrête la sélection, édition, transformation. Homothétie, je vais le réduire. Voilà, pour faire quelque chose qui va être là. Greenpeace. Hop là. Ah, il a pas pris le. Il n'a pas pris ma sélection là, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Contrôle D, Greenpeace. Alors, mon avenir est entre vos mains, sauvez-moi. Et on va rajouter un petit texte ici. Alors, on va prendre du texte qui est plus petit, sans ça ira. Bien. Ok. Et ça sera bientôt. Il sera. Trop tard. On va pas le mettre en Roboto Bold, on va le mettre en Roboto Regular. Voilà, quelque chose comme ça. Bientôt, il sera trop tard. On peut le mettre en un peu plus grand. Allez, 100, 150. 150, ça dit quoi? C'est trop. Donc, on va faire 120. Voilà. Bientôt, il sera trop tard. On retourne ici sur l'option de fusion et on rajoute un petit contour, pas trop grand. Voilà. Le Greenpeace, on va le réduire un peu. Donc le Greenpeace, il est là, édition, transformation, homothétie. On va le réduire un peu pour qu'il ait un peu plus la taille du texte. Voilà, quelque chose comme ça. On va le placer, on va le déplacer ici. Voilà, mon avenir est entre vos mains, sauvez-moi. On a fait une petite affiche un peu écolo façon Greenpeace. Bon, ça vous servira peut-être soit pour faire des vraies affiches, soit pour faire un truc pour la kermesse, pour les enfants. Vous avez vu un peu comment on peut faire rapidement quelque chose. J'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.